Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Le Vrai Dialogue, où nous abordons ce soir un débat d'une importance cruciale sur l'avenir de l'Union européenne et les enjeux géopolitiques qui la façonnent. Aujourd'hui, nous allons explorer les perspectives divergentes concernant les alliances internationales de l'Europe, la nécessité d'une défense commune et les motivations sous-jacentes des grandes puissances dans leurs actions. Ce débat sera enrichi par la présence de personnalités éminentes dans le domaine de la politique, de la sécurité et des relations internationales. Nous aurons le privilège d'accueillir Sandro Gozi, eurodéputé franco-italien du groupe Renaissance, Gabriel Galis, président de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, le GIPRI, Rudolf Elkaré, politologue, sociologue et professeur des universités, ainsi que Jacques Beau, ancien colonel de l'armée suisse et analyste stratégique spécialisé dans le renseignement et le terrorisme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de présenter brièvement les points de vue préliminaires qui ont inspiré cette émission. D'un côté, le docteur Gabriel Galis soutient que pour garantir son existence, l'Europe devrait trouver sa force dans une équidistance entre les USA et la Chine, mettant ainsi en lumière la nécessité d'une politique étrangère européenne indépendante, non alignée sur les grandes puissances mondiales. D'un autre côté, nous avons les prises de position audacieuses de Charles Goerens, eurodéputé du groupe Renaissance, plaidant pour une Europe plus unie, dotée d'une défense commune et d'une politique étrangère cohérente. Son appel à l'action souligne l'urgence de réformer l'Union européenne afin qu'elle puisse agir de manière concertée et efficace sur la scène internationale. Nous aborderons également l'attaque armée près de Moscou qui a fait au moins 143 morts et ses conséquences sur la guerre en Ukraine. Enfin, nous examinerons les récentes déclarations intrigantes du haut représentant de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, à CNN, mettant en lumière les vraies motivations des Américains et des Européens dans leur soutien à l'Ukraine. À deux mois, jour pour jour, des élections d'un nouveau Parlement et trois nouveaux présidents à la tête du Parlement, de la Commission et du Conseil de l'Union européenne, j'espère que ce vrai dialogue éclairera les téléspectateurs et les électeurs sur les défis critiques auxquels l'Union européenne est confrontée et suscitera une réflexion profonde sur les voies à suivre pour garantir sa sécurité et sa prospérité dans un monde en mutation rapide. Le vrai dialogue, c'est maintenant. Merci de tout cœur pour tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Et je poserai ma première question à Gabriel Galis. Monsieur Galis, vous soutenez que pour garantir son existence, l'Europe devrait trouver sa force dans une équidistance entre la Chine et l'Amérique. Comment, selon vous, cela peut être véritable dans les faits, en pratique, en termes de politique étrangère de l'Union européenne? Oui, bonjour madame, bonjour messieurs. Écoutez, je pense qu'il faut d'abord avoir un concept, un projet, que ce soit pour un pays, que ce soit pour un groupe de pays, il faut définir un projet. Et quand on définit un projet, on le définit avec des caractéristiques qui sont la politique économique, la politique étrangère, la politique de défense. Les uns découlant des autres. Parler d'une politique de défense sans parler d'une politique étrangère, ça n'est pas satisfaisant. Donc je pense que si on regarde les deux masses
qui entourent l'Europe, on s'aperçoit que les deux géants politiques, économiques et militaires, aujourd'hui, et même depuis quelques années, ce sont les États-Unis d'Amérique d'une part et la Chine d'autre part, puissance montante. Et qu'entre ces deux blocs, il me semble que l'Europe aurait pu chercher, si elle l'avait voulu, une voie permettant de s'affirmer et de défendre ses intérêts économiques, ses intérêts politiques, ses intérêts militaires. Mais le militaire ne venant que comme conséquence du reste. Il faut un projet politique. Et que dans cette affaire-là, il me semble qu'un partenariat intelligent avec la Russie, qui a semblé se dessiner pendant quelques années après la chute du mur de Berlin, était une façon de consolider ce projet, puisque un certain nombre de choses nous lient à la Russie, y compris culturelle, y compris la continuité géographique, y compris la complémentarité des économies. Donc voilà ce qui me semblait opportun, sans exclure la Chine, sans se poser contre la Chine, sans exclure les États-Unis, mais simplement en travaillant avec nos voisins et partenaires potentiels. On a suivi une autre voie. Voilà ce que je veux dire. Alors après, vous voyez bien qu'on a, on a fait exactement le contraire pour des raisons qui sont d'ailleurs peu claires. Elles sont claires quand on lit les stratèges des États-Unis qui ne veulent absolument pas que quelque chose comme ça se fasse. Je cite Zbigniew Brzezinski, je cite George Friedman, pour lequel la plus grande terreur, c'est l'émergence d'une puissance continentale alternative aux États-Unis en Eurasie. Et ça a été dit, c'est une continuité de la pensée stratégique des États-Unis. Il faut empêcher à tout prix une alliance entre l'Allemagne et la Russie. Eh bien, on y est arrivé. L'Ukraine a été le lieu de cet affrontement et nous avons pris fait et cause pour les intérêts des États-Unis d'Amérique contre nos intérêts, voire Nord Stream, qui est la phase la plus flagrante de la négation de nos propres intérêts. Voilà. Très bien, Monsieur Gozzi, votre collègue Charles Goerens, et qui est de la même famille politique que vous, hein, oui. Pour lui, il plaide pour une Union européenne cohérente. Est-ce que cela veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça devient une urgence, l'Union européenne doit se réformer ? Absolument. L'Union européenne devait se réformer il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, c'est encore plus urgent de réformer pour beaucoup de raisons, mais j'en citerai deux principales. La première, c'est que nous avons fait les choix géopolitiques d'entamer un processus d'adhésion de l'Ukraine et qui s'ajoute aux Balkans occidentaux, qui sera suivi par la Géorgie et la Moldavie. C'est un choix géopolitique très important et que nous devons faire pour être à la hauteur des défis, mais qui implique une réforme en profondeur de l'Union européenne, parce que si à 27 ça ne marche pas, je ne vois pas comment ça pourrait mieux marcher à 35 en absence de réformes. Et la deuxième raison, c'est que je ne suis pas du tout convaincu que nous puissions et nous devons devenir une puissance militaire et industrielle. Je ne suis pas du tout convaincu qu'on puisse le faire sans modifier les traités, sans réformer les budgets, sans nous donner de nouvelles ressources, parce que c'est impossible de parler des défenses européennes sans parler d'industrie de la défense européenne. Donc je crois que nous devons aller dans cette double direction. D'un côté, prendre acte que le monde a changé, prendre acte que nous devons faire face à des défis géopolitiques et sécuritaires qui sont totalement nouveaux pour nous. Et de l'autre côté, prend acte aussi que ceci implique une réforme importante de l'Union européenne. Est-ce que cela inclurait ce que M. Gallis appelait cette position équidistante de l'Union européenne entre, d'une part, les Américains et d'autre part, les Chinois? Ah, pour moi, pas du tout. Je suis totalement en désaccord avec un choix d'équidistance entre deux puissances, avec une dimension impériale. Hein. Ce n'est pas un jugement des valeurs ni pour l'un ni pour l'autre, mais il est clair que les dimensions militaires, économiques de la Chine et des États-Unis en font deux empires. Mais avec l'un, nous partageons des valeurs et avec l'un, nous devons renforcer l'alliance en devenant plus autonomes en tant qu'Européens. C'est que
Et nous devons travailler avec nos amis américains pour leur faire comprendre qu'une défense européenne, une autonomie stratégique européenne, c'est dans l'intérêt aussi d'un partenariat transatlantique beaucoup plus efficace. De l'autre côté, nous avons un acteur incontournable sur la scène internationale qui s'appelle la Chine, qui est très éloigné de nos valeurs, qui est un système totalitaire, qui a des stratégies et des buts au niveau mondial qui ne vont pas du tout dans nos intérêts, voire l'Afrique, avec lesquels évidemment nous devons avoir une relation, mais je crois plutôt que nous devons construire, réorganiser le monde autour d'une idée d'alliance de démocratie qui voit les Américains et les Européens du même côté. Par rapport à la Russie, je partage le fait qu'on ne choisit pas les voisins et avec la Russie, nous devrions construire un partenariat positif. Mais ce n'est pas les Européens qui sont éloignés de ça. C'est Poutine qui s'est éloigné de ça. Moi, je m'en souviens, j'étais conseiller du président de la Commission européenne quand nous avions proposé aux Russes quatre grandes aires de coopération. Recherche, commerce, même dans le domaine militaire. Je m'en souviens quand Poutine était invité au G8. Qui s'est éloigné de cela? C'est Poutine qui s'est éloigné de cela. Qui a agressé l'Ukraine? C'est Poutine qui a agressé l'Ukraine. Comment peut-on dire que l'Europe a choisi les côtés de l'Ukraine? L'Europe a choisi les seuls côtés possibles, celui de la liberté, celui de la possibilité d'un peuple de choisir son destin. Donc non, je ne suis pas d'accord avec l'équidistance, je suis d'accord avec l'autonomie stratégique dans un cadre d'alliance renforcée et donc plus crédible. Mmh. Professeur El Khary, vous avez écouté M. Gallis, vous avez écouté aussi M. Gozzi. Quel est le point de vue qui se rapproche du vôtre et pourquoi? L'un et l'autre, ni l'un ni l'autre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avant de définir les perspectives d'avenir, il faut revoir sa copie. Premièrement, M. Gozzi, l'idéologie et la lecture des choses, comme si les événements étaient toujours un coup de tonnerre dans un ciel serein, elle mène nulle part. L'histoire n'a pas commencé en Ukraine le 22 février 2022 et l'histoire n'a pas non plus commencé le 7 octobre en Palestine. Alors, il faut revoir sa copie et revoir pratiquement toute la dynamique et les pratiques de l'Union européenne depuis qu'elle a commencé à se construire. Et je dis exprès ici Union européenne, c'est-à-dire l'union politique. Parce que quand on dit l'Europe, il y a des connotations culturelles, anthropologiques, etc., qui peuvent nous mener très loin. Moi, je parle de la construction politique. Cette construction politique, elle a commencé à se chercher, pour le dire très rapidement, après l'effondrement du mur de Berlin, 1990-1991. On avait le choix à l'époque d'une orientation qui aurait permis à l'Europe de prendre son autonomie par rapport aux autres puissances mondiales. L'Europe a choisi, en 1995, avec les accords de Barcelone, dont on a vu qu'ils ont quasiment échoué après, ça je suis prêt à en discuter, comme l'ont dit plusieurs députés européens d'ailleurs, elle a choisi une autre voie. Elle a choisi finalement ce qu'il a inséré dans ce que moi j'appelle la mondialisation américaine. La deuxième étape, ça a été Maastricht. À Maastricht, soyons francs. Soyons francs et clairs. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'Europe, à ce moment-là? À Maastricht, elle a abdiqué sa souveraineté en matière de politique étrangère au profit des États-Unis. Et elle a abdiqué sa souveraineté en matière de défense en se mettant dans le sillage de l'OTAN. Vous voulez des exemples? Je vous donne ici, dans cette enceinte qui était supposée être le lieu où les pères fondateurs avait créé une nouvelle dynamique. C'est-à-dire qu'au lieu de se faire la guerre, comme ils l'ont fait pendant trois siècles, même malgré les accords qui ont été conclus au XVIIIe siècle, ils ont décidé de régler les problèmes à l'intérieur du même enceinte du Parlement européen. Nous avons vu au cours des trois dernières années, je commence par la résolution Fotyga et on peut suivre, des résolutions du Parlement européen qui étaient en fait des copier-coller de résolutions prises à l'Assemblée générale à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Donc il faut revoir ici sa copie. Très succinctement, si l'Union européenne, et moi je ne demande pas à l'Union européenne d'aller se battre contre les Américains, je lui demande de se reconstruire. Il faut qu'elle retrouve son potentiel intérieur. Vous avez dit tout à l'heure, à 27, c'est plus difficile, effectivement. Moi j'ai une vision des choses qui est tout à fait différente.
sur la construction européenne. On l'avait débattu à l'époque avec des responsables français, allemands, qui avaient de l'envergure. Aujourd'hui, le personnel politique, il laisse quand même un peu à désirer. La première rupture, elle a eu lieu avec la Yougoslavie. C'est en Yougoslavie qu'on a détruit le début de l'idée d'une Europe autonome. Oui. Pour quelle raison? Parce qu'en Yougoslavie, là où les Européens auraient pu proposer aux Yougoslaves ou ex-Yougoslaves un modèle qui était le leur, c'est-à-dire une reconstruction de la Yougoslavie sur la base du modèle entre guillemets, européen, aujourd'hui on ne voit pas parce que l'Union européenne a appliqué non seulement sa souveraineté en matière de défense, en matière de politique étrangère, mais ce qui est beaucoup plus grave, sur le plan culturel, elle a abandonné son propre modèle social et culturel. Et ça aussi, on pourrait en débattre. Et donc si l'Union européenne veut aujourd'hui retrouver son autonomie dans le monde, il faut qu'elle repense toutes ses pratiques depuis 30 ans. On ne peut pas d'un côté, et je termine sur ça pour l'instant, on ne peut pas d'un côté parler d'un monde multipolaire et en même temps chercher à créer des ennemis de façon totalement factice. Vous dites Poutine, Poutine, Poutine. C'est comme quand De Gaulle disait, comme des cabris, on saute, on dit Europe, Europe, Europe. Il faut arrêter d'avoir cette vision personnalisée et démonisée d'un personnage. Vous avez la Russie qui est en face de vous. La Russie qui est un État avec une histoire, traité avec la Russie. La Chine, c'est la même chose. Aujourd'hui, lorsqu'on dit monde multipolaire, il faut retrouver les notions de souveraineté, les notions de respect de l'autre, ne pas mépriser les autres, ne pas croire qu'on est les seuls détenteurs des critères de vie et de comportement. Il faut avoir un autre type de relation, non seulement avec la Russie, avec la Chine, mais avec l'Afrique, avec l'Amérique latine, avec d'autres États. C'est là où il faut repenser les choses. Et je termine aussi sur ce petit point, et on pourra peut-être en reparler, c'est l'importance de l'ONU. Je dis bien de l'ONU en tant que charte, non pas des pratiques de l'administration, ça nous pourrons voir. Voilà. Jacques Beau, si on part du principe que l'Europe a abdiqué sa souveraineté il y a 30 ans globalement, selon le professeur Rudolf Elkaré, dites-moi franchement, est-ce que vous trouvez que la politique étrangère du Canada est souveraine ou celle de la Suisse, est-ce qu'elle est indépendante? Est-ce que, un autre exemple, l'Australie, quand elle agit à l'extérieur, elle agit souverainement? Je pense qu'on ne peut pas poser la question en ces termes. Je pense que la politique étrangère d'un État ou d'un groupe d'États dépend des intérêts de ces États ou de ces groupes d'États. Et c'est là qu'est le problème en réalité. Parce que, sans revenir sur les discussions qu'il y a déjà eues sur la question de Maastricht, etc., on s'aperçoit que pour ce qui est de l'Europe, depuis la Maastricht, en réalité, l'Europe n'a jamais réussi à avoir une vraie communauté d'intérêts. On a aujourd'hui, avec la situation en Russie, on a une apparence de communauté d'intérêts parce qu'il y a la Russie qui devient le point focal de cet intérêt. Mais en réalité, quand on enlève la Russie, on n'a plus beaucoup de points d'intérêt communs. Et alors, moi, je n'ai pas travaillé au sein de l'Union européenne, j'ai travaillé au sein de l'OTAN, ce qui est assez exotique pour un Suisse, il faut le dire, enfin, c'est la réalité. J'ai travaillé à la suite d'un accord entre mon gouvernement et l'OTAN, j'ai travaillé 5 ans dans l'OTAN, où j'ai dirigé une petite unité là. Et j'ai pu constater, alors toute comparaison n'est pas raison, mais je pense qu'il y a certaines similitudes à cet égard entre l'Union européenne et l'OTAN, c'est-à-dire de constater que tous les pays européens n'ont pas exactement le même intérêt stratégique. On voit très bien que les pays de l'Est, ce que Ronald Rumsfeld appelait la Nouvelle Europe, eh bien, leur regard se tourne vers l'Est, se tourne vers la Russie, manifestement. Alors que quand vous regardez des pays comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, eh bien, leur regard se tourne naturellement vers la Méditerranée. La France est un peu partagée entre les deux, mais on sent un intérêt pour le dialogue, ce qu'on appelle le dialogue méditerranéen. Et donc on voit très bien que dans cette configuration-là, l'Europe elle-même n'a pas réussi à homogénéiser, si vous me passez l'expression, ses intérêts.
Et c'est ce qui rend finalement, c'est ce qui crée la difficulté. Parce que vous ne pouvez pas créer une politique étrangère unique autour d'intérêts qui sont parfois même divergents. Et ils sont d'autant plus divergents que quand vous regardez la répartition, j'allais dire, entre guillemets, du pouvoir au sein de l'Union européenne, vous apercevez que vous avez la vieille Europe qui finance la nouvelle Europe, quelque part. Donc, vous avez nécessairement des intérêts divergents. Et c'est là, je pense, que se trouve le vrai problème. Et je ne pensais pas qu'on allait aborder la question de l'Ukraine, mais puisqu'on l'aborde, c'est peut-être intéressant de revenir aux négociations de 2012-2013, où l'Ukraine était intéressée à participer à l'Union européenne, avait ce regard sur l'Union européenne pour des raisons manifestement économiques, mais avait une économie qui, elle, était structurellement articulée autour d'une relation avec la Russie, héritage de l'ancienne Union soviétique, où chaque pays avait en fait une répartition du travail. Et c'est ce qui a conduit les Ukrainiens à s'interroger sur comment réorienter leur potentiel industriel de regard tourné vers l'Est vers un regard tourné vers l'Ouest. Et c'est ce qui a conduit, d'ailleurs, les Ukrainiens, le gouvernement Yanukovych, à proposer à l'Union européenne à l'époque d'avoir une relation non pas bilatérale, pas seulement bilatérale, mais d'inclure également la Russie. C'est d'ailleurs ce que la Russie était favorable. La Russie ne s'est jamais opposée à un lien entre l'Ukraine et l'Europe. Mais c'est intéressé, parce qu'elle avait aussi des intérêts dans l'Ukraine. Donc, de voir tous les intérêts industriels passer d'un côté à l'autre était un problème pour elle. Donc, il y a eu cette proposition de relations tripartites qui, en fait, a été refusée par M. Barroso. Ce n'est pas Vladimir Poutine qui a refusé ça, c'est M. Barroso. Et c'est important de le rappeler parce que ça montre la complexité des relations qu'il y a d'ailleurs dans les pays de l'Est aussi. Alors, beaucoup ont fait leur transition, si vous voulez. Les petits pays, les pays baltes, ont fait cette transition assez facilement. Pour l'Ukraine, c'est plus compliqué, mais c'est un pays qui est beaucoup plus industriel que les pays baltes, par exemple, et qui avait des relations lié avec d'ailleurs c'est un peu pour ça aussi que le Bélarus est resté très lié à la Russie, parce qu'il a une économie qui était liée depuis la guerre froide en réalité. La Pologne, c'est un pays un peu différent, mais il n'a jamais fait partie de l'Union soviétique, n'est-ce pas, même s'il y avait des liens privilégiés avec la communauté des pays de l'Est. Mais pour l'Ukraine, c'est un vrai problème, parce que c'est un pays industriel, donc il y a, vous voyez, quand vous fabriquez des réacteurs d'avions, c'est des réacteurs qui sont faits sur mesure pour des avions russes, pas pour des avions européens. Alors vous allez me dire, on arrive sans doute à rediriger cette fabrication pour qu'elle s'accommode des avions européens, sans doute. Mais ça prend du temps, et c'est effectivement ce temps-là qui a posé le problème à Yanukovych, raison pour laquelle, sans refuser d'adhérer à l'Union européenne, ce qui est d'ailleurs très bien, il a proposé une pause pour voir dans quelle mesure. Voilà. Donc c'est important de voir ces intérêts, parce que c'est en réalité, c'est ça la pierre d'achoppement, en réalité. Mmh. Alors quand vous me parlez de politique indépendante du Canada, de la Suisse, etc., les situations sont très, très différentes. Le Canada est un pays qui est lié presque structurellement aux États-Unis, et on peut comprendre aussi qu'ils ont là un partenaire privilégié avec les États-Unis. On peut comprendre aussi qu'ils épousent un certain nombre d'éléments, ne serait-ce que parce qu'ils doivent vivre en bonne intelligence avec leurs voisins. En plus, ils font partie de traités d'accord de libre-échange, etc. Pour la Suisse, le problème est un peu différent, parce que c'est un pays neutre, mais il a la neutralité de la Suisse, elle n'a que la force de ceux qui l'acceptent. N'est-ce pas ? La Suisse est un pays qui était neutre parce qu'on lui a imposé cette neutralité à l'issue du traité de Vienne, enfin, maintenant le nom m'échappe, mais c'est le traité de Vienne. Le congrès de Vienne, voilà, exactement. Merci, M. Gallis. Le congrès de Vienne de 1815. Et cette neutralité lui a été imposée. Pourquoi ? Parce qu'on voulait éviter que son territoire serve de plaque tournante aux grandes puissances continentale à l'époque, et qu'il puisse utiliser ce territoire pour attaquer d'autres. Donc, d'où l'imposition d'une neutralité d'ailleurs armée.
Et ça fonctionne tant que tout le monde reconnaît ça. À partir du moment où on est dans un contexte où l'utilisation du territoire n'est plus déterminante pour déterminer la politique de sécurité, eh bien, les gens ont tendance à se retirer de cette reconnaissance. C'est ce qui arrive un peu à la Suisse. Et la Suisse est un pays qui, aujourd'hui, est un pays qui vit du secteur tertiaire, du secteur bancaire, qui est fortement implanté aux États-Unis. Par conséquent, il est vulnérable à un certain nombre de pressions. Et c'est ce qui fait que la Suisse, dans le calcul de ses intérêts, doit calculer aussi l'intérêt qu'il y a à maintenir de bonnes relations avec les uns et les autres. Donc ça ne veut pas nécessairement dire... Alors, naturellement, les Américains ont le privilège d'être le pays le plus puissant du monde occidental. Du monde, ça commence à être mis en échec par la Chine, mais du monde occidental en tout cas. Et ce qui lui permet un petit peu de jouer à la fois de la carotte et du bâton pour que tout le monde adhère à sa politique. Mais c'est en fait un détournement de la relation qu'il y a entre nos pays. N'est-ce pas ? La Charte des Nations Unies, que M. El Khareh a rappelé très justement, donne à chaque État un statut égal en réalité. Mais, comme disait Orwell, il y a des gens qui sont plus égaux que d'autres. Et il est évident que les intérêts des États-Unis prévalent d'une certaine manière. C'est assez logique, comme les intérêts de l'Union européenne prévalent sur ceux de la Suisse, ce qui fait que la Suisse, quand elle traite avec l'Union européenne, elle ne traite pas exactement d'égal à égal. C'est la logique des choses. Mais ça veut dire aussi que quand on veut mettre en place une politique de défense, on ne peut pas s'extraire de ces phénomènes-là. Monsieur Beau, oui, permettez-moi de passer la parole, oui, à Monsieur Gallis. Gabriel Gallis, c'est à cause de ces divergences ou cette divergence d'intérêts au sein des 27 pays membres de l'Union européenne, ce sont ces divergences-là qui empêchent l'Europe d'avoir une organisation de défense un peu moins atlantiste et un peu plus européenne. Et je poserai même la même question tout à l'heure au député européen, M. Gozzi. Mais pas simplement. Je voudrais quand même rappeler quelques faits. D'abord, l'idée de confédération européenne lancée par François Mitterrand, qui essayait de traiter les pays européens dans un rapprochement avec la Russie, idée que j'avançais tout à l'heure, lancée par un premier ministre de la République française et qui a donné lieu à des assises à Prague en 1991 qui ont été sabotées par les plus atlantistes. C'est un souvenir, vous pouvez vérifier, Roland Dumas a écrit un article là-dessus. Deuxième chose, je voudrais rappeler à notre ami député que Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France à Moscou, a écrit un petit livre très intéressant qui s'appelle « La diplomatie au péril des valeurs ». Mais il a mis « valeurs » entre guillemets. Parce qu'à force de revendiquer des valeurs que nous bafouons, que ce soit la laïcité, que ce soit les droits de l'homme, que ce soit d'autres, nous perdons notre crédibilité dans le monde, nous, occidentaux. C'est-à-dire nous, occidentaux, 12% de la population du monde, en réalité. Troisième remarque. Jacques Beau ayant dit ce que Barroso avait proposé à l'Ukraine, c'est-à-dire un ultimatum que ne demandaient pas les Russes, j'y reviens pas. Mais je voudrais rappeler à tous que depuis plus de 30 ans, les Russes demandent, pas la Lune, ils demandent l'application de la Charte de l'ONU. La Charte de l'ONU, dans son article 1, prévoit que chacun a des droits à des garanties de sécurité. Or, les Russes demandent des garanties de sécurité depuis tous leurs présidents, depuis 30 ans. C'est bien beau de dire on a été gentil, on leur a proposé des partenariats sur la technologie, etc. Mais sur la sécurité, non seulement nous n'avons pas respecté les engagements verbaux qui avaient été pris de ne pas étendre l'OTAN, mais nous n'avons même pas pris une mesure complémentaire qui aurait pu amoindrir ce risque. C'est un traité de sécurité, on étend l'OTAN, d'accord, mais parallèlement, on fait un traité de sécurité solide avec les Russes. Je fais référence à un article de Michel Rocard, qui à l'époque était parlementaire européen. Le 19 avril 1997, il a écrit « OTAN danger » après avoir reçu au Parlement européen une délégation russe de députés de la Douma de différents bords politiques. Eh bien, tous ces députés ont dit « Nous ne sommes pas d'accord entre nous, mais nous sommes d'accord sur un seul point. Nous allons vers des dangers graves si nous étendons l'OTAN. » Et dernière remarque,
plutôt que de décrire l'arrivée des Russes en Ukraine comme si nous n'avions pas envoyé des armes, nous, Occidentaux, comme si nous n'avions pas envoyé des mercenaires, nous, Occidentaux et Européens, comme si nous n'avions pas envoyé des sociétés privées de sécurité, nous, Occidentaux, il faut quand même rappeler tout ça. Tous ces gens-là, ils étaient en Ukraine quelques semaines et quelques mois avant que Poutine réagisse. Poutine et les autorités russes, et je suis d'accord avec le président, avec le professeur Le Carré, il ne faut pas parler de Poutine ou de Biden, il y a des États et il y a des corps politiques et il y a des corps militaires. Les autorités russes et le ministre russe, oui, vous rigolez, mais je sais bien que vous imaginez que Poutine et Kim Jong-un, c'est pareil, mais ce n'est pas tout à fait pareil, désolé. Renseignez-vous un petit peu sur la situation réelle de la Russie. Le 15 décembre 21, je ne vous ferai pas passer un examen parce que je ne sais pas si vous le réussiriez. Est-ce que vous pourriez me donner la teneur des propositions russes du 15 décembre 2021 ? Professeur russe, vous allez être étiqueté. Professeur Gali, vous allez être étiqueté pro-russe. Non, je ne veux pas. Je m'en vais. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je veux juste dire que le. Je vais donner la parole à Sandro aussi qui attend. Les propositions de sécurité aux États-Unis et à l'OTAN qui n'ont pas été étudiées, qui ont été récusées d'un revers de main par Monsieur le Président Biden, que les Européens n'ont pas bougé d'un petit doigt. Et que ces mesures de sécurité, c'était des bases de négociation et non pas un ultimatum, comme l'ont dit les médias occidentaux. Voilà. Très bien, Sandro Gozzi. Laissez-moi vous relancer sur la question principale. Ça fait des que j'écoute. Non, je vais vous laisser parler. Sur l'Europe et contre l'Europe. On va parler de l'organisation de défense, M. Sandro Gozzi, s'il vous plaît. Est-ce que l'Europe est capable ou pas de créer une organisation de sécurité et de défense hors OTAN? Je trouve extraordinaire d'invoquer l'article 1 de la Charte des Nations Unies pour justifier une violation flagrante d'un principe fondamental de la Charte des Nations Unies et d'un principe fondamental sur lequel on a organisé la coexistence pacifique en Europe, la violation de l'intégrité territoriale. Parce que la Russie a violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc, c'est extraordinaire de vouloir... Non, je vous écoutais, maintenant vous écoutez. Donc, je trouve extraordinaire de dire qu'aujourd'hui, on a des interlocuteurs alternatifs à Poutine en Russie. Moi, je n'ai jamais dit que la Russie est un ennemi, je n'ai jamais dit que le peuple russe est un ennemi. Aujourd'hui, Poutine est un ennemi de nos valeurs, sans doute, et un ennemi de l'Ukraine. Donc... On peut continuer avec cette propagande russe autant que vous voulez, mais les faits sont très clairs. Les faits, c'est que vous ne voulez pas qu'un peuple choisisse son avenir. Les Ukrainiens ont choisi d'adhérer à l'Union européenne. Les Ukrainiens ont choisi d'adhérer à l'OTAN. Ils en ont les droits. En démocratie, ils en ont les droits. Après, vous avez fait toute une liste des questions auxquelles j'ai travaillé. Je pourrais être complètement d'accord avec vous. Parce que je suis complètement d'accord avec vous que, alors qu'avec le président de la Commission, Romano Prodi, on avait travaillé sur un voisinage pour la Méditerranée qui devait être son partenariat d'égalité, cette approche a été abandonnée dans les années suivantes. Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il fallait accélérer l'union politique. Mais ceci ne m'empêche pas de dire que l'Union européenne a été quand même un grand succès. Avec son espace de liberté, avec son espace Schengen, avec sa monnaie unique, avec sa politique commerciale, avec son marché unique. Vous avez quand je vous écoute, je pourrais être d'accord avec vous dans la critique de ce que l'Europe n'a pas fait assez. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous du moment où vous dites que tout ce que l'Europe a fait dans les années 30 ans a été un échec. Là, on est totalement en désaccord. Aujourd'hui, j'espère, je travaille, je veux que, comme Emmanuel Macron l'a dit aussi depuis 2017, l'Europe fasse le compte avec une histoire qui a accéléré, qui a changé. L'Europe avait été conçue en déléguant la sécurité aux États-Unis et à l'OTAN comme un antidote à l'utilisation de la puissance militaire nationale, voire nationaliste, entre Européens. Aujourd'hui, l'Europe doit se doter d'une puissance. Se doter d'une puissance militaire et industrielle, c'est faire ce que vous dites. Est-ce qu'on peut le faire avant 7? Je m'en doute. Donc, il faut donner aux pays européens qui ont la même vision, qui partagent les mêmes sens de l'urgence,
de travailler sur deux choses, parce que c'est impossible de discuter des défenses sans union politique. Parce que c'est impossible de discuter des défenses sans politique étrangère, donc d'union politique. Donc ce que je pense, c'est qu'évidemment, il faut éliminer les vétos. Évidemment, il faut laisser une possibilité beaucoup plus simple, simplifier la possibilité pour un groupe de pays d'avancer sur une véritable union politique, donc une défense européenne. Il faut aussi travailler sur les budgets, parce que tout cela demande de nouvelles ressources. Moi, je crois qu'il faut pérenniser les plans de relance, il faut de la dette commune européenne pour produire les biens publics européens dont nous avons besoin et sur lesquels nous devons être autonomes. Nous ne pouvons pas déléguer à d'autres les biens publics communs de la sécurité. Donc, mais il ne faut pas les faire, selon moi, de façon compétitive ou voire alternative à l'Alliance transatlantique. Il faut nous donner beaucoup plus de crédibilité en tant que pilier européen de cette alliance. Après, les Américains nous disent la même chose depuis Obama. C'est pas après Donald Trump, il nous l'a dit de façon un peu plus brutale. Mais il est clair que nous devons dépenser plus et dépenser mieux pour assurer de façon plus autonome notre sécurité. Donc, de ces points de vue aussi, on a de très bonnes raisons aujourd'hui de faire ce que nous disons Emmanuel Macron depuis 2017. Nous, depuis 2019, nous avons réussi à imposer un thème qui n'était nulle part dans ces bâtiments ou dans l'Union européenne. Le thème de la puissance militaire, d'une véritable défense, d'une industrie de la défense, d'une autonomie stratégique. Maintenant, nous devons y aller avec ceux qui veulent y aller. Et s'il y a un Orban ou un Fico qui ne veut pas y aller, je vais vous laisser continuer. plus proche du projet de Poutine que des nôtres, soit. Mais nous devons avancer avec ceux qui veulent et qui partagent une vision d'union politique. Je rappelle juste que nous sommes en train de célébrer le 75e anniversaire de la création de l'organisation de l'OTAN. Oui. Je rappelle aussi, et vous êtes macroniste, que c'est le président français Macron qui a dit il y a quelques années que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Sauf qu'il s'est réveillé avec des séquelles plus fortes, plus unies. Sauf qu'il est arrivé, Dr Poutine, et a fait les miracles de réveiller un OTAN qui était en état de mort cérébrale. Avec des séquelles positives. Parce qu'on peut se réveiller avec des séquelles négatives. Mais là, il est plus fort, plus uni. Positive et insuffisante. Avec deux nouvelles adhésions. La Suède et la Finlande. Positive, mais insuffisante. Parce que et ce qu'il faut faire, c'est de travailler beaucoup plus en européen et travailler sur une défense européenne. Je répète, mais sans doute, le fait que des pays, historiquement, soient neutres, soit disons, comme la Suède, comme la Finlande ou la Suède, ils aient décidé d'adhérer à l'OTAN, c'est, entre guillemets, un miracle que seulement l'agression folle de Poutine contre l'Ukraine pouvait produire. Monsieur El Khary, vous permettez je vous pose une question et vous pouvez très librement, mais succinctement, reprendre. Monsieur, il n'y a pas de souci parce que le temps passe. Oui. La question que j'aimerais vous poser à vous, c'est de savoir si un jour l'Europe sera capable de s'émanciper de l'OTAN, oui ou non, et pourquoi? Non, je vais d'abord faire plaisir à M. Gordy. Je suis d'accord avec M. Beau. C'est un petit point technique. C'est vrai que l'Union européenne, sur le plan d'uniformisation technique et encore, elle a réussi des choses. Le roaming, au bout de 10 ans, on l'a eu au sein de l'Union européenne. La carte européenne d'assurance maladie, on l'a eu au bout de 10, 15 ans et ça a marché. De ce point de vue, ça va. Pour le reste, je pense que si vous voulez vraiment, je vous parle très franchement là, vraiment que l'Union européenne ait une autre politique, changer de paradigme. Je ne vais pas faire de la provocation. Mais non, s'il vous plaît, ne me parlez pas d'intégrité territoriale. Attendez, je sais pourquoi je dis ça. Je crois que chacun devrait balayer devant sa porte. Avant de nous parler d'intégrité territoriale et de ce qui s'est passé, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, ce qui s'est passé n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein ou dans un ciel clair, comme on le dit. Vous voulez que je vous sorte la Yougoslavie, l'Irak, la Libye, la Syrie, le Liban, etc. Toutes les agressions territoriales, qu'elles soient par terre, par mer ou par mer, à laquelle l'Union européenne a participé.
Je ne parle pas uniquement des Américains. Alors, si vraiment on veut aborder les choses avec sérieux, il faut cesser de dire ce paradigme-là. Attendez. Ben moi aussi, je vous ai écouté. Dans la Yougoslavie, moi aussi, je vous ai écouté. La première expérience que j'ai faite en tant que diplomate, écoutez, parce que j'ai vu Sarajevo, la Bosnie, pendant la guerre. Attendez, vous dites monsieur, que l'Union européenne a agressé la Bosnie-Herzégovine. Donc, les snipers qui tuaient les citoyens de Sarajevo, européenne. Sous mes yeux, monsieur c'était Lecornu. Payé par l'Union européenne. Monsieur Lecornu a dit c'est ouvertement... Monsieur c'est incroyable ce que vous dites. Non, il n'y a rien d'incroyable. Monsieur Lecornu a dit le lendemain de ce qui s'est passé à Gaza... Le porte-parole de Poutine... Monsieur Lecornu, laissez-moi parler, écoutez ce que je dis. Je vous ai écouté jusqu'au bout. Monsieur Lecornu a dit 48 heures après ce qui a commencé à se passer à Gaza et que maintenant la Cour internationale de justice a qualifié comme génocide, hein, il a dit nous participons directement... à l'agression. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir et ne m'interrompez pas. Monsieur Lecornu, ministre de la Défense français, revoyez les déclarations. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça la question. Ce n'est pas ça la question. Si vous voulez qu'on parle de Gaza, on va organiser une deuxième émission. Arrêtez de m'interrompre. A déclaré que l'agression, les interventions d'Israël en Gaza, on peut en discuter. Il a dit textuellement, reprenez les déclarations. Je crois que vous faites erreur, là. Mais je vous interromps plus. Peut-être. Maintenant, écoutez ce que je veux vous dire, qui est beaucoup plus important, si vous voulez vraiment connaître. Par rapport à un génocide. Première chose, concernant ce qui s'est passé en Ukraine, premier point, revenez à ce qu'a écrit Zbigniew Brzezinski en 1998. Zbigniew Brzezinski a écrit sur la nécessité de construire un axe Paris-Berlin-Varsovie-Kiev en 1998 pour aller au-devant de la Russie. Revoyez ce texte, je pense que ça vous sera très utile. Deuxième point, vous me parlez de la construction européenne. Vous allez me concéder quand même qu'il y a un problème dans la construction européenne. Il y a deux niveaux qui sont en train de s'entrechoquer. D'un côté, vous avez l'extrême droite qui prétend revenir aux nations, au patriotisme. Alors, figurez-vous qu'on a abandonné le patriotisme en France à l'extrême droite, ce qui est une merveille. Un jour, monsieur, ici sur cette tribune, aux affaires étrangères, un de vos collègues, Jean-Pierre Jouyet, ministre des Affaires européennes, me dit que le patriotisme, c'est la gare. Moi, j'ai demandé Valmy et la résistance française, c'est quoi? Passons. Il y a un niveau... Je ne partage pas ça. Laissez-moi finir. Mais vous avez raison, là. Oui. Je partage vous pas. Le direz on n'a pas après. Abandonné le patriotisme. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un niveau charnière qui n'a pas été abordé par l'Union européenne, auquel on avait réfléchi il y a 20 ans, c'est la relation entre les États. Je viens à votre question, madame. Oui, mais la relation pas entre après les États 15 minutes. Et les nations d'un côté. C'est-à-dire, comment construire une entité politique en respectant ce que l'histoire a construit, c'est-à-dire les nations et les États. Troisième point, et après je réponds à la question de madame Lefebvre. Je vais vous résumer très simplement, si vous voulez, le background de votre manière de voir les choses. Lorsque vous parlez de défense, il faut absolument inventer un diable. Et donc, si, quand vous me parlez Poutine, etc., laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Votre démarche, c'est d'abord, il faut faire peur. Non. Il faut faire peur. Et donc, on a inventé un diable comme on en avait inventé d'autres. Ah, donc c'est nous qu'on a inventé s'appelle le diable. Poutine. Ben bon sang, vous pouvez écouter ce que je dis, non, au lieu de m'interrompre. Oui, vous pouvez répondre après. C'est moi qui parle. Mais si vous dites, vous inventez un diable. Personne pour faire n'a peur. Affirmé. Le deuxième point, vous ne nous dites pas. Vous m'attribuez des propos qui ne sont pas les miens. Pourquoi je vais monter le ton si vous continuez. Vous ne nous dites pas pourquoi est-ce qu'il faut inventer ce diable et faire peur. Eh bien, vous ne nous dites pas surtout comment comprendre ce mécanisme qui est le vôtre. Pourquoi Il ne faut pas faire comprendre, surtout pas faire comprendre. Et pour quelle raison ? Et pour quelle raison ? Bien sûr. Tout simplement parce qu'il faut absolument que les opinions nous obéissent. Bien c'est bien un triptyque qu'il faut prendre en considération. On fait peur, on empêche les gens de comprendre, et après on leur dit, marchez derrière moi, voilà le récit que je vous fais de la situation. Réponse à Madame Lefebvre. Ah, elle n'a pas encore commencé ma réponse. On va la laisser tout à l'heure. Oui, mais attendez, prenez le temps, comme ça vous la résumez. Vous m'avez posé une question, Madame Lefebvre. Oui, mais en 30 secondes. Oui. Vous m'avez posé une question et je n'ai pas cessé d'être interrompu, je ne comprends pas. Bah, écoutez, vous avez sorti des préjugés infondés, absolument idéologiques. M. Stoltenberg a dit récemment, il y a quelques jours, que le seul moyen de défendre l'Europe,
et que l'Europe reste intégrée dans l'OTAN. Je pense personnellement que c'est exactement le contraire. Si l'Europe veut construire une politique de défense, elle doit se distancier de l'OTAN. Elle l'a fait à un certain moment. C'est lorsque la France, avec sa puissance nucléaire, qui a intégré l'OTAN en 2009, qui a fait basculer notamment les choses. Elle doit repenser ce que je disais tout à l'heure, les relations internationales avec un tout autre paradigme. Et là, encore une fois, la charte de l'ONU est la référence fondamentale. Je dis bien la charte de l'ONU et pas les pratiques, même si aujourd'hui on observe un fléchissement, notamment auprès du secrétaire général, de certaines instances de l'ONU qui nous disent « Attention, ce qui est en train de se passer est en train de détruire cet outil indispensable de régulation des relations internationales. » Merci beaucoup, Rudolf Elkaré. Jacques Beau, s'il vous plaît, on va passer à une autre question très importante. Je vous l'avais annoncé dans le background de cette émission. Il s'agit de l'attaque qu'a subie la Russie il y a quelques jours et qui a laissé 143 morts. Et ma question à vous, parce que vous êtes, mon colonel, spécialiste du terrorisme notamment, qui est derrière cette attaque selon vous? Est-ce que l'Union européenne a condamné officiellement et clairement cette attaque ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'un jour ou à un moment donné, on va dire que derrière ce sont des terroristes ou alors ou des suprémacistes ou des psychopathes? Alors, et quelles conséquences? Oui. Dernière sous-question, comme ça on avance. Je dirais que ça... Et quelles conséquences, pardonnez-moi, sur la guerre en Ukraine? Alors, si on veut parler de la guerre en Ukraine, l'attentat de Moscou est probablement qu'une péripétie, malheureusement d'ailleurs, malgré toute la gravité et tout le respect qu'il faut avoir pour les victimes, ça n'est qu'une péripétie de quelque chose de plus grand. J'aimerais quand même revenir sur des éléments plus fondamentaux. La question de l'OTAN n'est pas le vrai problème de la Russie. Le vrai problème de la Russie, et le problème est venu en Russie, à partir du moment où les Américains se sont retirés des accords de désarmement qu'ils avaient signés durant la guerre froide. C'est 2002 qui crée le problème des Russes. Et pourquoi ça crée ce problème? En 2002, l'administration Bush s'est retirée de l'accord, le ABM Treaty, Anti-Ballistic Missile Treaty. Et c'est ça qui a créé le problème. Pourquoi? Parce qu'en se retirant de cet accord, en plus, par la suite, en se retirant des différents... que Obama et Trump, d'ailleurs, ils ont eu une politique finalement très semblable à cet égard, ça a permis le déploiement de missiles, alors sur le territoire de l'OTAN, si vous voulez, bien entendu, de missiles à la frontière russe. Et c'est ça qui est le problème. C'est les missiles qui sont le problème, pas l'OTAN. Les Russes sont au contact de l'OTAN depuis la fin des années 90, puisqu'il y avait déjà les pays baltes qui étaient là. Et les Russes n'étaient certainement pas très contents, mais ils n'ont pas envahi ces territoires. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'à partir de 2005 et dans les années suivantes, les Américains ont commencé les négociations avec la Pologne, la Roumanie et la Tchéquie pour la mise en place de missiles dits anti-balistiques, mais qui sont en réalité à vocation duale, c'est-à-dire qu'on peut tirer soit des missiles balistiques, soit des missiles anti-balistiques. Et c'est là qu'est le problème. Parce que pour les Russes, ça signifie une réduction drastique du temps d'alerte et de pré-alerte qu'ils ont pour lutter contre ça. Et d'ailleurs, ça permettrait d'ailleurs... C'est ce que Vladimir Poutine a dit lors de la visite d'Emmanuel Macron à Moscou, lorsqu'ils se sont rencontrés, c'était au début février 2022, maintenant je n'ai plus la date exacte, et dans la conférence de presse, Vladimir Poutine a rappelé exactement, il revient systématiquement sur ce point-là, ce n'est pas vraiment l'OTAN qui a le problème, c'est la manière dont on peut utiliser ensuite ce territoire pour d'autres fins, et c'est ça qui est le problème. Le problème est un problème plus américano-russe qu'un problème OTAN-russe. C'est la même chose qui s'était passée en 1952 lorsque la Turquie est entrée dans l'OTAN. Les Soviétiques n'étaient pas très contents, mais ils ont accepté le fait. Là où ils ne l'ont plus accepté, c'est 10 ans plus tard, lorsque les Américains ont déployé des missiles nucléaires en Turquie.
Et c'est là qu'il y a, et on a, et c'est ce qui a donné la crise de Cuba, parce que les Soviétiques ont fait exactement la manière inverse. Ils ont répondu, bon, voilà, on met des missiles à Cuba. Et en fait, en enlevant les missiles de Cuba, les Américains ont également retiré leurs missiles de Turquie. Et donc, on est exactement dans la même situation aujourd'hui. C'est exactement ça qui a conduit la Russie à réagir et à envoyer à la mi-décembre 2021 ses propositions concernant l'avance de l'OTAN et la question de l'Ukraine. Quant à la question de l'intégrité territoriale, il faut revenir. Donc, il y a un point qui est important dans les considérants russes, c'est qu'il y a un principe qui a été d'ailleurs défini à l'OSCE, qui est un principe que tous les pays européens ont accepté, c'est le problème d'indivisibilité de la sécurité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre des mesures de sécurité pour vous défendre en mettant en péril la sécurité de l'autre. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec les missiles qui étaient déployés en Russie. Et c'est ce principe-là que les Russes ont invoqué. Concernant l'intervention en Ukraine, qui a suivi finalement exactement le même, j'allais dire presque scénario, qu'on avait vu en Géorgie. Les Russes ont invoqué le droit de la responsabilité de protéger, oui. de protéger la population du Donbass, que, par ailleurs, la France et l'Allemagne étaient garantes des accords qui auraient garanti la protection de ces populations. Or, ni la France ni l'Allemagne n'ont respecté leurs engagements. Et c'est ça qui, en réalité, a conduit la Russie, qui a été l'avocate de l'application des accords de Minsk depuis 2015, depuis les accords 2, depuis qu'ils sont d'ailleurs devenus résolutions du Conseil de sécurité. Et c'est la position russe que jamais les Français et les Allemands n'ont voulu accepter. C'est là qu'est le problème. C'est donc en réalité la conséquence de politiques qui ont été très décousues de notre part, qui a fait que, et on est un peu au-delà du problème européen, parce que, de nouveau, quand on dit c'est l'OTAN qui ou c'est l'Union européenne qui, on a des pays de l'Union européenne et on a des pays de l'OTAN. Et je pense que c'est important de faire cette distinction, même si aujourd'hui on a l'OTAN qui décide de mettre en place une nouvelle mission en Ukraine. Mais ça, je reste quand même très, comment dire, je pense qu'il faut être très nuancé quand même sur l'engagement de l'OTAN, entre guillemets, en Ukraine. Il y a des engagements de pays de l'OTAN, ça c'est indéniable, mais l'OTAN en tant qu'organisation, je pense qu'il faut apporter des nuances à ça. Ceci étant, vous voyez, la France était garante aussi des accords qui étaient passés entre les révolutionnaires de Maïdan et le gouvernement Yanukovych. Elle n'a pas respecté cet engagement. Yanukovych a été renversé malgré l'accord, malgré la garantie de la France. Entre 2015 et 2022, si nous étions intervenus pour empêcher la guerre, qui était d'ailleurs l'objectif des accords de Minsk, qui ne prévoyait pas, comme on l'a dit d'ailleurs, comme tout le monde dit séparatiste, les accords de Minsk prévoyaient une autonomie des deux républiques et non pas une séparation des deux. C'est important de le dire, or, tout le dialogue politique qu'on entend ici, dans ce Parlement, dans les médias, on a systématiquement parlé de séparatistes alors que c'était faux. Et d'ailleurs, même Macron, et on le sait par la conversation qui a été rapportée par le Figaro et qui avait été entre lui et Vladimir Poutine, donc on sait on a le verbatim en quelque sorte de ça, et on constate que Macron ne connaissait pas le contenu des accords de Minsk. Et non seulement il l'est, mais en plus, il a interprété faussement ce qui était là, puisqu'il parlait de séparatistes, alors que ce n'était pas du tout le cas à ce moment-là. Donc on a malgré tout, je ne sais pas si la décision de la Russie d'attaquer l'Ukraine était la meilleure décision, mais c'était la décision qu'ils ont prise parce qu'on a créé les conditions pour que ce soit fait comme ça. Et on a créé ces conditions. Je vous rappelle, par ailleurs, si vous parlez d'intégrité territoriale, on évoque souvent le mémorandum de Budapest. Allez-y.
le mémorandum de Budapest. Oui, j'ai continué à vous écouter. Très bien. Parce que c'est extraordinaire l'effort que vous faites de mettre sur le même niveau des principes des droits internationaux et droits européens qui ne peuvent pas être mis sur le même niveau. Bien entendu qu'ils peuvent être mis sur le même niveau. Parce qu'il y a aussi... Non, attendez. Alors, laissez-moi finir. Dans la réaction. Non. Tout ce que vous avez dit sur les séparatistes, l'autonomie, est-ce que ça justifie une agression armée d'un pays européen contre l'autre pays européen ? Non, ce n'est pas la question. Mais ça justifie le fait que vous n'ayez pas voulu appliquer, nous pas fait appliquer... J'étais membre du gouvernement italien quand nous avons travaillé avec Poroshenko et Poutine pour leur proposer et dans le Donbass, les modèles de l'autonomie qu'on a dans l'Oadige, je suis sûr que vous connaissez, n'est-ce pas? Oui. Et donc, vous me dites à moi que je ne sais pas, on n'était pas au courant dans les chancelleries européennes de l'ambiguïté de certains, non, d'un côté, de l'autre. Il n'y avait aucune ambiguïté. La demande d'autonomie et la demande de cession qui sont deux choses bien différentes. Il n'y a aucune ambiguïté. Laissez-moi finir de répondre à la question. Vous essayez de justifier l'injustifiable. Bien sûr que j'essaye d'expliquer que vous n'avez pas respecté le droit international. De la part d'un autre État européen, c'est inacceptable. Mais la question. Vous êtes en train de la justifier. Non, la question est. La question n'est pas là. Un discours qui justifie l'agression des Russes. C'est ça qui est inacceptable. Vous avez créé les conditions en ne respectant pas le droit international. Bien sûr. Je rappelle que les accords de Minsk étaient une résolution des Nations Unies, le deuxième accord, et donc qui est du droit international et qui prévoyait l'autonomie des deux républiques du Donbass. Je vous ai dit que sur ce point, on est d'accord. Mais je vous ai dit aussi que des deux côtés, il y avait des résistances, finalement, du côté russe et du côté ukrainien. Il n'y avait aucune résistance. Vous ne l'avez pas vu sur les plateaux, mais dans les faits, je vous assure. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a aucun écart. Excusez-moi. Le temps passe. Il va falloir faire une autre émission. Monsieur Beau, répondez à ma question singulièrement. Qui, selon vous, c'est comme pour tout. Il doit y avoir des commissions d'enquête internationales, indépendantes et objectives qui déterminent qui. Ce n'est pas M. Jacques Beau qui va déterminer qui est derrière cet attentat. Je ne sais pas. C'est des commissions internationales qui doivent le dire. Il faut arrêter de créer... Parce que sinon, on arrive exactement dans la logique de dire que les séparatistes sont des autonomistes. Et avec ça, comme on le traduit par séparatistes, on dit ça ne peut pas être. Donc, on n'applique pas les accords parce qu'on les a mal interprétés. C'est ça la raison pour laquelle... Merci, mon colonel. Une dernière question, un dernier tour de plateau. Et je vais commencer par M. Gabriel Galis. La semaine dernière, le haut représentant de la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, Joseph Borrell, à CNN, nos confrères de CNN, a déclaré que, au fond, les Américains et les Européens ne soutiennent pas l'Ukraine par amour, mais pour les intérêts propres de l'Amérique et de l'Union européenne. Quelle a été votre grille de lecture, monsieur Gabriel Galis? Ouais, écoutez, qui l'appelait un chat? Un chat, parce que je vous ai cité Brzezinski et George Friedman, c'est exactement ce qu'ils expliquent. Et d'ailleurs, quand j'entends dire que nos amis américains, nous les tenons pour nos amis largement, mais eux, ils nous tiennent pour des vassaux. Le terme est de Zbigniew Brzezinski, il n'est pas de Gabriel Galis. Donc, c'est exactement comme l'ancien président allemand qui avait osé dire, il avait dû démissionner pour ça, que l'Allemagne était en Afghanistan pour des intérêts économiques. Alors qu'il fallait dire, dans le discours narratif officiel convenu, que c'était pour défendre les droits de la femme afghane. Ben, il a dû démissionner, le pauvre homme, parce qu'il avait dit la vérité. C'était un ancien directeur du Fonds monétaire international, économiste de métier. Donc, effectivement, M. Borrell a eu raison. Il n'a pas été politiquement correct, mais peut-être qu'il en avait assez des plaisanteries diplomatiques et qu'il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont des questions d'intérêt. Ça veut dire qu'en Europe, on n'est plus démocratique. On n'est plus démocratique, hein, M. Gozzi. On n'a pas demandé à Borrell de démissionner par rapport à ses propos. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Borrell, je crois que, je devais encore naître, il était déjà en politique. Donc, Borrell devrait savoir qu'on ne fait pas pour la politique par amour. La politique, c'est principe et intérêt, valeur et intérêt.
Et nous sommes en train d'agir aussi vis-à-vis de l'Ukraine pour protéger nos valeurs et pour protéger nos intérêts. Quelle découverte! Vous souscrivez, professeur Alcaré? Non, mais écoutez, moi je pense que l'Europe, et je maintiens ce que je dis, doit changer de paradigme en lisant sa propre personnalité. Elle doit changer de paradigme. Et vous pensez que Borrell a déclaré ce qu'il a déclaré à CNN? Attendez, parce qu'il est en fin de vie politique? Laissez-moi vous dire le deuxième point qui est plus important. Dans le changement de personnel politique qu'on a vu après les années 1990, c'est-à-dire notamment après la présidence française de François Mitterrand et d'autres responsables en Allemagne, il n'y a pas eu de véritable transmission entre le personnel politique qui est issu de la résistance au nazisme et le personnel politique que l'on voit actuellement. Je crois qu'il est très important que l'Europe change également, non seulement de récit, mais de personnel politique, et que ce ne soit plus uniquement la technocratie qui gère le politique. Il est grand temps de retrouver le sens du politique au sens fondamental du terme. Jacques Beau, un mot sur les déclarations à CNN de M. Borrell. Oui, dans une certaine mesure, nous sommes même allés plus loin que les intérêts américains, puisque, en réalité, nous n'avons pas réellement aidé l'Ukraine. Nous, depuis le début, nous ne sommes pas vraiment intéressés par l'Ukraine. Si on avait voulu aider l'Ukraine, on s'y serait pris très différemment, plus tôt déjà, et on aurait fourni d'autres armes. On n'a pas fourni les armes qu'il fallait à l'Ukraine. On a en fait, et d'ailleurs on continue à le voir maintenant, le but reste d'affaiblir la Russie et non pas d'aider l'Ukraine. Et je dirais même qu'on est allé même plus loin que les Américains, puisque les Américains nous ont déconseillé de prendre un certain nombre de sanctions que nous avons prises et qui d'ailleurs nous sont défavorables aujourd'hui. Que déjà dès 2019, lorsque la RAND Corporation a fait son rapport sur Extending Russia, qui consistait à déstabiliser la Russie, où on trouvait un certain nombre de mesures qu'on a vues d'ailleurs se dérouler ces deux dernières années. Il y a six grandes mesures qui sont esquissées dans ce rapport, que le Pentagone a suivi de manière assez fidèle. Mais il y a un élément qu'on n'a pas suivi. C'est que la RAND Corporation avait très bien analysé que si on mettait en œuvre cette stratégie, elle serait défavorable à l'Ukraine, qu'elle lui imposerait des pertes de territoire, des pertes de vie humaine, et qu'elle conduirait l'Ukraine dans une paix défavorable. C'est écrit en toutes lettres. On savait parfaitement le risque qu'on prenait en poussant la Russie à intervenir en Ukraine. Et c'est là que je dis, on a probablement été dans le sens des intérêts américains. Je pense même qu'on est allé plus loin, qu'on a été plus royaliste que le roi à certains égards. Et je pense que c'est malheureusement, on ne l'a pas fait en faveur de l'Ukraine. En réalité, on pourrait presque dire qu'on l'a fait en faveur de la Russie. Très bien. Un dernier mot chacun avant de clôturer cette émission. Je commence par professeur Alcaré. Je vais mettre un contenu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voulez une parabole de ce qu'il ne faut pas faire? Vous écoutez M. Borrell. M. Borrell a parlé de jardin entouré de barbares, et en s'adressant au personnel politique de l'Union européenne, il a parlé de nouveaux conquistadors. Si vous voulez vraiment changer les choses, vous faites exactement le contraire que ce qu'a voulu dire M. Borrell. Monsieur Gozzi. Non, mais je ne suis pas là pour discuter des Borrell. Je crois que nous devons absolument accélérer la construction de cette union politique. Et ça passe à travers une stratégie de puissance militaire-industrielle. Ça passe aussi par une réforme importante des traités. Ça passe aussi par l'unification du continent. Je crois que c'est les trois axes sur lesquels nous allons devoir travailler énormément dans le nouveau mandat. Gabriel Galis. Que deux remarques. Une remarque sur la méthode de l'Union européenne. Je pense qu'il ne faut pas construire l'Union européenne contre les peuples ou sans les peuples, mais avec eux. Je pense qu'il y a un besoin de démocratie qui est à renforcer. Premier point. Deuxième point, si on veut s'orienter vers une politique de défense, il faut non seulement une politique étrangère en amont, mais il faut une politique industrielle. Et à cet égard, je voudrais regretter que tous les États membres de l'Union européenne, sauf la France, pour des raisons qu'on connaît, achètent des F-35 américains.
Alors qu'il y a une industrie d'aviation militaire dans les limbes. Mais les Allemands ont retardé le programme d'actualisation du matériel et c'est dommage. Donc il faut qu'on ait une vision globale et y compris industrielle, pas forcément ciblée sur des ennemis, mais en termes de défense naturelle. Donc acheter des Rafales au lieu de les F-35. C'est intéressant parce que dans les conclusions, on est d'accord. Puissance militaire et puissance industrielle. Il a acquiescé, hein. Puissance industrielle. Et super. Si on achète un peu différemment et plus européen, c'est mieux. Très bien. Dernier mot. Alors, on veut plus de puissance industrielle, plus de puissance militaire. On s'est aperçu que ce qu'on avait, finalement, on avait diminué notre capacité militaire à la fin de la guerre froide. Mais je pense que cette diminution de la capacité militaire, elle était due simplement au fait qu'on avait compris qu'on pouvait se tendre la main et parler. Et donc, on n'avait plus besoin de choses militaires. Et donc, pour moi, c'est dans cette voie qu'il faut voir. Moi, j'ai été un combattant de la guerre froide. J'étais dans les services secrets à l'époque, dans la guerre froide, et nous combattions le système soviétique. Il ne représentait pas du tout nos valeurs. Et pourtant, on parlait avec les Soviétiques, on parlait avec les Chinois, on a ouvert un dialogue avec les Chinois, même les Américains ont ouvert ce dialogue. Les Américains ont conduit aussi le dialogue avec la Russie ou l'URSS à l'époque. Donc on a pu négocier avec des gens qui n'avaient pas de valeurs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de négocier avec des gens qui n'ont soi-disant pas nos valeurs? J'entends, s'il y a une espèce d'obsession dogmatique à ne pas négocier qui est, à mon avis, totalement absurde. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous faut revenir finalement à ce qu'on a été à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire confiant dans l'idée qu'on pouvait dialoguer. Et si on avait dialogué avec la Russie avant 2022, probablement qu'on n'en serait pas là maintenant. Ben, vive le dialogue et vive ce vrai dialogue. Sauf que parfois, les dialogues ne marchent pas. On a dialogué avec la Russie avant 2022, ça n'a pas marché. Mais très bien. Le dialogue, c'est important. Vous n'avez pas négocié. Mais ici, sur l'importance du dialogue. Ce n'est pas vrai. Je clôture l'émission et j'ai envie de dire à chacun de vous merci infiniment d'avoir accepté mon invitation en sachant que chacun avait son point de vue. Vous avez tous les quatre accepté de venir autour de ce plateau défendre vos idées d'une manière démocratique et libre. Et un grand merci encore à M. Gozzi, c'est un des rares, et je le dis publiquement, députés européens qui acceptent la contradiction, qui acceptent le débat et qui acceptent le dialogue. Merci vraiment, merci. Mesdames, Messieurs, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.